Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, on est aux toilettes, parce qu'en fait on vient de se changer avec We Dead. Je vous explique, on a pris le train de 7h58 et on est arrivé à 10h et on n'a pas notre chambre. Donc du coup on est venu se changer directement aux toilettes et là on va aller du coup à la plage. On va laisser nos valises à l'hôtel et on va profiter. Et là il y a une invitée surprise qui arrive, je vous spoil pas, juste attendez. Exactement. Et ce soir, je l'emmène en soirée. Oui, ce soir, on va en soirée. Dès qu'elle est avec moi, elle est dévergondée. Oui, je me transforme. Voilà. Regardez. Désolé, là, regardez là. Ah non, c'est juste un gloss. J'ai eu peur. Je pensais que c'était une cigarette. Non, bon les gars, je vais vous montrer mon maillot. Hop, culotte taille-haute. Je l'ai acheté chez Shein. Je vous ai mis le lien dans ma story Instagram. C'est vrai que c'est important de me suivre en story Insta. Je vous mets tous les liens de tous mes maillots, mes habits, etc. Et là, du coup, avec Doudou, on allait manger, on a commandé une pizza à la truffe. Elle a l'air incroyable, j'ai trop hâte de manger là. Genre, je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. On attend quoi? On attend, je sais pas, on attend. On vous la mange et après là, on va commencer à déguster. Bon appétit. Les gars, grosse galère là de parasol. Il y a beaucoup trop de vent, il y a un Mistral. Un Mistral, c'est bon. Il y a un Mistral gagnant et. C'est Renault ça, wesh. Bon Baba a quelque chose à vous dire. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, voilà. Très très bon. Surtout de la pastèque en été, c'est super bien. Hello les gars, deuxième jour à Cannes. Je suis désolée, hier je n'ai rien vlogué. Genre vraiment. Mais je vais vous mettre quelques petits extraits du coup de notre soirée. Parce qu'hier, oui, on est parti à la Médusa. C'est Roubaba qui nous a conseillé. Ouais, tu sais que c'est dur de regarder une caméra là. Franchement, on a trop bien rigolé. Je vous mets des extraits de notre soirée maintenant. Donc là aujourd'hui on va à un beach club qui s'appelle le Tamaris, vraiment trop hâte, on y est déjà allé avec Doudou il y a genre 2 mois pour prendre des desserts, c'était excellent et on s'est dit faut trop qu'on aille au beach club parce que bah il a l'air d'être bien. On est arrivé au Tamaris, on est posé, franchement on est super bien ici. Et en fait on est arrivé depuis hyper longtemps mais c'est juste qu'on était posé avec 2 abonnés et leur maman dans la piscine juste derrière. Franchement c'était trop bien, on a grave discuté et tout, c'est trop drôle parce que l'abonné connaissait toutes mes vidéos par cœur. Là on est en train de manger, je vous montre nos plats, ils sont iconiques. Une salade thaï, elle a l'air magnifique et Doudou. We Dead, elle a pris un poké mais tellement coloré. Et regardez on est où? Tout devant. Bon la plage ici elle a pas l'air ouf mais c'est parce qu'il y a des cailloux, des rochers et tout. Mais franchement là-bas elle est magnifique. Je suis morte, là on a une roubaba. Comment on dit ça en rebeu? Quoi? Balsamique? Ouais. Je sais pas. Balsamico. On a une roubaba qui est très heureuse. Très multinationale. Et qui a 2 téléphones, qui travaille matin, midi et soir. Parce que c'est une girl boss. Ouais. Voilà, boss babe, sur l'ordi comme ça. Oui, et exactement. Et elle a un chien aussi, c'est une maman. C'est une maman. Voilà. Bientôt maman d'enfant. Elle va avoir un vrai enfant. Oui, elle va avoir. Soon, avec qui? Elle sait qu'elle va avoir un enfant mais pas encore avec qui. On a passé la journée à nager là-bas. En fait je vous explique, là c'est la plage privée de là où on est. Mais on peut pas nager ici. Et là c'est une plage publique. Et du coup en fait on fait ça et on va nager dans une plage publique. On a payé 55€ pour une plage privée mais au final on nage dans une plage publique. Bon c'est pas grave. Mais comme a dit We Dead, One Life, et ce qui est bien dans cette plage, c'est que la bouffe est super bonne, mais les desserts aussi sont excellents. Regardez, on vient de commander. Ils sont iconiques, wesh. Regardez, je suis fan. Le tiramisu, oh my god, comment je vais le manger. Mais par contre, la glace, elle a fondu déjà. Dégoûté, ma glace a vraiment fondu, regardez. Genre, elle a fondu de chez Fondue, mais vous croyez vraiment que je ne la boire, c'est ne pas me connaître. Elle a dû me coûter 10 balles. Je sais même pas il coûte combien le dessert, mais j'attends la note. Il doit être salé. Elle est incroyable. Et franchement, si vous venez à Cannes, venez au Tamaris. Je fais de la pub gratos. Et prenez un café gourmand. Et dites-lui de pas vous faire un café normal, mais un latte avec du sirop. C'est trop bon.
Bon les gars, là comme vous savez, on est avec Roubaba. Ce qui veut dire photo time. Toujours. Photo time. Donc ça va, je suis pas chiante. Non, t'es pas chiante. Et les photos sont très belles. Ouais. Ça c'est parce que je suis une bombe au naturel. Waouh, Roubaba, on adore. Les gars, regardez Roubaba, elle est où? Elle a peur de mourir. Elle est partie se cacher. Et franchement, Nour et moi, on n'a pas peur. C'était vraiment life, mais vraiment, on n'a pas peur de la mort. Bon là les gars, on est sur le bateau et on est des vrais one life. On est sur une bouée là, vraiment. Je sais pas si vous me voyez, je suis à contre-jour, le soleil est derrière. Mais vous inquiétez pas, vous allez me voir dans pas longtemps. Vous voyez là? Du coup franchement on est en plein sunset là. En plein golden hour. On est posé. Et regardez Roubaba, elle est où? La pauvre, je suis mort. Elle est posée, elle a trop peur la pauvre. Là avec Widad on est en pleine réunion de One Life et on sait pas si on saute ou pas. Franchement si elle le fait je le fais. Ah tu me tues, t'es trop drôle. Backstage, photo de Roubaba, on adore. Paul les gars, quand conduit le bateau, je suis choquée. Et Clem normal il lui fait confiance. C'est super sexy en plus, ça a aucun sens. On a confiance, on craint rien. Je suis mort. Moi j'ai confiance, regarde, je suis à côté. Ouais il est à côté, il te laisse conduire. Priscilla, wesh! Yo. Ouais, team de ouf! Ça fume, hein? Ouais. Ah, mais j'ai une tête de cul là! C'est pas trop bien? Là, on est là pour une nouvelle vidéo. Je suis nul à chier. Je suis avec une blédarde. Je savais même pas. Là, je rigole. Toutes les filles célibataires. Je vais vous mettre mon CV. Bisous. Les gars, désolé, il y a Dinor qui m'a enlevé ma caméra. Et je le connaissais pas du tout. On s'est retrouvés dans la même table, je sais pas comment. Trop drôle. Et là, on va monter à 5 dans un Uber, genre. Je suis défoncée, excusez-moi, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé, ne buvez pas. Si tu mets la lumière derrière, on est cramé. Hein. Vas-y, nous réponds. Ah merde, désolé. J'ai grave négocié, tu niques tout. On peut mettre Daddy Chocolat? Ok, comment? C'est n'importe quoi. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collab. Et le critique est maintenant, va le faire la collab. Elle veut pas sortir du taxi. Roule un cam. Elle lui explique les paroles, cette folle. Roubaba, j'en ai marre de toi. Zara. Excusez-moi les gars, on a dû quitter la boîte de Roubaba parce qu'il y avait une meuf qui était habillée exactement pareil. Ouais, genre je suis désolée. Bah juste elle avait pas le même sac. Il est 3h du matin. Regardez là. C'est un truc de ouf. Mon téléphone les gars depuis tout à l'heure il est endormi bien. Parce que je dors à 1h du matin tous les jours max. Nourette, depuis tout à l'heure il me dit dormez bien. On est des chétanes pour toi. Les gars il est 6h du mat. Roubaba elle arrive plus à marcher. J'ai trop mal. Priscilien Miskin. C'est les pires chaussures du monde, je vous jure. Je suis choquée. J'ai plus de voix, comme vous pouvez le voir. Parce que, bah, là où on était, il y avait beaucoup trop de fumée. Et moi, ma gorge est allergique à la fumée. C'était pas prévu. Dommage, je devais juste aller manger dans un resto et rentrer. Là, on a Roubaba. Dit 30 minutes. On a dit 30 minutes. Roubaba, elle m'a dit, Nouren, on va 30 minutes en soirée. 30 minutes. On est parti pour 3 heures. Non. On est 6 heures du matin. Wesh! Mais c'est. Putain, on va jamais se réveiller. Mais je sais même pas demain, on va faire une sieste, les gars. Regardez le bouton que j'ai. C'est la chouma. Les gars, ne prenez pas exemple sur Roubaba. Vivez comme moi. C'est quoi cette vie? La vie de Roubaba. Tout le temps, elle mène ça. Attends, mais chiche. Voilà la mala. Voilà la mala. C'est quoi la mala? En plus, elle m'a dit. Les after mala. C'est pas une question d'être. Et c'est une after mala. C'est pas une question d'être bourré, c'est une question de douleur au pied. Elle a mal au pied. Les gars, bonjour. On est le lendemain de la soirée de Roubaba. De la mala. On n'a plus de voix. J'ai plus de voix, donc Widad va prendre la voix place. Off. Alors, écoutez. Aujourd'hui, on est jusqu'à 5 ans.
Chez Valentin. Ouais, chez Valentin. Journée piscine, chill et tout. Et brunch surtout. Et brunch surtout, ouais, la balle. Regardez. Trop bien. Genre vraiment, ils ont géré, je suis choquée. Là, il y a Priscilla, le serveur. Oui, il a tout fait, Mskin. Regardez. Oh, génial. Bah, du coup, Roubaba fait ses pancakes, mais par contre, ils ont pas l'air très beaux, non? Je rigole. Les gars, notez ces pancakes. Très cuistot. Notez ces pancakes sur 10. Très fort. Hein. Attention, c'est pas... Non, vrai. J'avoue, par contre, elle les fait rapidement. C'est pas moi qui a fait la pâte. Hein. Bravo. Les gars, je suis fan des cookies, ils sont incroyables, vraiment. On dirait les cookies artisanales là qu'on achète dans des trucs hyper chers. Artisanaux. Merci Brésilien. C'est moi qui lui ai. Le Steward. Steward chez EasyJet. Si un jour vous le croisez, il vous donne moins 30% sur votre billet d'avion. On est rentré du brunch. Regardez Roubaba, il est où? Tu fais quoi par terre? Bah en fait la carte de la chambre elle marche pas, je suis fatiguée, du coup Priscilla elle est partie à la réception. Donc moi je l'attends là. T'es très fatiguée Roubaba. Je suis chaos technique. Pareil. Bah regarde, tu fais quoi assis par terre? Bah oui. Tu fais... Mais elle est super confort cette moquette. Elle est super, ouais. Elle est géniale. Et on est pieds nus. La déco j'aime pas trop. Là, je... Par contre, désolé j'ai plus de voix, mais Starbucks, arrêtez de fermer à 19h s'il vous plaît. Genre fermer à 22h, je sais pas. Comme à Dubaï, 24-24. Ouais, Dubaï c'est 24h. Je suis désolée mais Starbucks c'est à toute heure. Les gars, Roubaba vient de dire un truc très important. Je suis jamais allée au club. Non, pas le club. Ah, tu seras mademoiselle d'honneur. Non, elle m'a obligée à le dire. Non, et c'est moi, je vais tenir sa robe. Et je vais me marier après. Avec qui? Quelqu'un. Okay. Bon les gars, on a retrouvé la carte de Roubaba, tout s'est bien passé, on s'est changé, donc là on va faire le outfit of the night. Non mais ça s'est pas du tout passé comme ça. On est parti chercher une nouvelle carte à la réception. Oui. Entre temps, il s'est passé plein de trucs. On est allé au club. Oui, c'est vrai. Et là, je viens encore d'avoir une carte qui marche pas. Oui, c'est un gros problème. Elle veut me prêter son sac, mais ça marche plus. C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai mon sac Chanel. Trop, trop bien. Et là, j'ai une robe Pretty Little Thing qui est trop, trop belle. J'aime trop. Super beau. J'adore. Merci. Et là, on va au Zara, jupe Zara, chaussures. On sait pas. C'est un peu bourrou. Ah oui. Et Speedy Nano de chez Louis Vuitton qui est introuvable. Et Stormy Webster à lui-même. Voilà. C'est grave, ma twins. Bye. Go au resto, trop bien. Dernière soirée à Cannes. Je suis dégoûtée, genre demain à midi. Bah, qui t'a envoyé rentrer demain à midi? Bah, t'as c'est moi. De rester en plus. C'est vrai, mais je dois travailler, les gars. Après putain, demain, j'ai un shooting. Je voulais à ta robe. Oui. Roubaba. Ah, mais encore. Oh. Elle est pleine de paillettes. Je suis pleine de fancy beauty. Oui. Rihanna, sponsorise-moi. C'est vraiment la deuxième partie du vlog de Dubaï. De Dubaï, ouais. On a toujours pas filmé. Moi, 24 heures dans la Via Nouren. C'est vrai, je t'inviterai chez moi quand ça sera rangé parce que là, c'est le zbeul. Là, on marche à la croisette, on va aller manger au... Vesuvio Bar, au restaurant. Et à Skip, c'est hyper bon parce que... Trop beau, Baba m'a dit. Oui, c'est très très bon. Bon les gars, aujourd'hui je vais rentrer à Paris. Donc là je suis à Nice, j'ai pris le train ce matin. Et là j'attends le train pour aller à l'aéroport. En fait je vous explique un truc, quand je venais à Cannes, bah, je prenais tout le temps un taxi pour aller à Nice du coup. Je payais toujours 150€. Et hier, je sais pas pourquoi, j'ai découvert qu'il y avait un train qui faisait 25 minutes genre Cannes-Nice. Et j'ai payé 4€. Je suis au bout de ma vie. Bref les gars, j'espère que ce vlog vous a plu. Avec Roubaba, on va pas tarder à se revoir. Donc, bref les gars, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne. Et à me suivre aussi sur Instagram. Et je vous dis bah du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.